Ouais. Je ne prends que les bonnes questions. Partagez votre force avec Bronn. Votre lien le renforcera. Voilà qui fera un excellent exercice pratique. Ah, attendez, faut que je comprenne. Là. Démantelez-moi ça pour l'Archonte. Ah. Ouvrier, démantelez-moi ça pour l'Archonte. Ok. Ouvrier, parez au lancement. Ok, on va voir ce que ça donne si jamais je vais, par exemple. C'est de la merde. C'est de la merde son truc, c'est tellement de la merde. Ouais, ça gêne pas, hein. Démantelez-moi ça pour l'Archonte. Ça marche pas, en fait c'est bugué. Ouvrier, paré au lancement. Mon devoir est accompli. Ah bordel, ça par contre ça marche bien ça. Mon devoir. Ok, alors ça, ça marche bien. Du coup, faut garder ses distances. Ok. Faut garder ses distances. Et utiliser le 2. Mon devoir est accompli. On va y arriver comme ça, mais c'est enfer quoi. Mon devoir est accompli. Mon devoir est accompli. Ouais, mais si je les fais un par un, c'est un peu inutile. Ok, vu qu'ils sont en mouvement, c'est mort. C'est de la merde. C'est de la merde, bordel. Ici, on a combattu avec la couronne, c'était épique. Et là, on a ce truc de merde, quoi. Ah, je vous jure. Et bien sûr, je peux pas loot, hein, sinon c'est pas drôle. Mon devoir est accompli. J'attends le moment où ils vont respawn, du coup, je vais bouger. Mon devoir est accompli. C'est pas ce que je visais, mais c'est pas grave. Mon devoir est accompli. Yeah.
Ouais, c'est tendu, hein. Quelle arme fascinante. Je peux la voir de plus près. Retrouvez ma voir au fort Elysée. Prenez-moi, vous rejoindrons au fort Elysée. Sika, je compte sur toi pour repousser les éventuels désavoués. Je ferai au mieux. Bon, du coup, le fort Elysée. Bah ouais, bon, moi, je suis parti du mauvais côté. Je vais contourner. Je vais passer par là, plutôt. C'est plus court. T'as pilote qui est en train de me suivre en mode Naruto Runner, là. Avant de voler, il vous faut apprendre à tomber. Lancez-vous aux côtés de ces aspirants. Oh mais c'est tellement buggé le bastion, c'est trop chiant. Regardez la gueule de mon perso, sérieux. On dirait qu'il est en train de se faire passer à tabac, c'est n'importe quoi, par des hiboux en plus. C'est vraiment à chier. Quel est votre tracas? Mon tracas, c'est que ce jeu est buggé. C'est que le territoire est buggé. Ah là 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 là, terminez les queues d'ascension. Certains disent que je suis mania. Un coup et un seul. Déployez votre pleine puissance. Pas contre lui là, c'est ça. Ah. Mais lâchez-moi. Avez-vous des idées pour renforcer les sanctuaires? Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas vers la restauration de la voie des Kyrian. Allons-y. Avec mon aide, les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. Ouais, et puis le fait de réinvoquer ma mascotte, ça le vire pas. Il est passé où le PNJ là? Eh oh, je suis censé avoir une quête là, elle est où? Ok, ça a rebougé, c'est tout. Je suis la volonté de l'Archonte. Parlez à Xandra à la cime de l'Archonte. Allez, et servez. C'est où ça? Ah bah c'est juste derrière en fait. Vous avez mon attention. Ok, de l'araignée à Maldraxxus. Ah, Maldraxxus, tiens. Voir ce qu'il en est.
Intéressant, je peux utiliser aussi moi ou pas? Oui, non, peut-être. Non, je peux pas. Bon. Bon, et ben prochain territoire, Maldraxxus, du coup. Et merde. Oh, le coup de bol. Oh, le coup de bol. Oh, le coup de bol. Oh là 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 là. Oh, j'ai failli crever. Je suis paumé un peu ici. Faut que je reparte à gauche. Ouais, en vrai, j'utilisais ma pierre de foyer plutôt. Et puis, et on partira pour Maldraxxus le prochain coup. Hop. Bon. Les finances montent toujours. J'ai fait à peu près, j'ai fait un peu plus de 6000 PO depuis hier soir. Faites le bon choix. Ouais. Jor-El Haran. Sympa. Ouais, ce que je voulais, c'était surtout voir si je pouvais réparer mon, si je devais réparer mon armure. Ah oui, ok. 29 PO quand même. Revenez vite. 29 PO. Hop. Bon, et puis ben on va rapidement quand même aller donner le souvenir au renoumancien. Tant qu'on est dans le coin. Le soleil éternel nous guide. Ça, faut le vendre. Puis j'ai des ailes là, ouais. Ça va, j'ai de la possibilité de vente. Hein. C'est, tout va pas partir, hein, bien sûr, mais en potentiel de vente, j'ai 1 million, presque 1,2 million. C'est débile. C'est débile. Attendez, puis il y a un problème là. Nous ne renoncerons jamais. Ouais, voilà, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. La liste n'est pas. Bon, j'aurais un petit peu à vendre. Ouais, il y a pour presque 300 PO à vendre. Là. C'est pas énorme, mais bon. Bien. Ah, j'ai entendu une portière. Je pense que je vais devoir m'arrêter là. Donc, sur ce, je pense qu'il va m'appeler. Mais j'entends. Ouais, c'est bien ce qu'ils sont. Allez, je vous laisse. Bien. Ok. Du coup, nous nous retrouvons à Maldraxxus. J'aime bien ce territoire. Franchement, vous savez que j'ai hésité entre les 20 tirs et Maldraxxus. Et j'ai eu une discussion avec un joueur hier soir. Alors plusieurs choses. Premièrement, donc j'ai eu une discussion avec un autre joueur hier soir. Alors la discussion s'est faite en anglais. Oui, critiquer mon choix d'avoir choisi les 20 tirs pour un démoniste. Moi, j'ai pas trouvé ça déconnant. Hein. Vous savez que j'ai regardé vis-à-vis des sorts qui étaient proposés, qui allaient être acquis auprès de trucs. Et il me disait non, pour les démonistes, c'est soit Maldraxxus qu'il fallait choisir, soit le Bastion. Alors déjà, moi, j'ai écarquillé les yeux. Le bastion pour un démoniste, je vois pas trop. Je vois pas trop la logique. Après, voilà, il dit que c'est stats et tout. Et en gros, c'est parce que si j'avais choisi une de ces deux factions, j'aurais des bonus vis-à-vis de mes éclats d'âme. Apparemment, je générais des éclats d'âme plus vite. Bon, certes, mais en soi, mes éclats d'âme, moi, ça me sert qu'à deux choses. Invoquer mes démons... Et pour les graines de corruption.
voilà, parce qu'à chaque fois que je balance une graine de corruption, ben oui, j'utilise un éclat d'âme. J'en récupère généralement, c'est en lançant agonie. Il me semble que c'est ça, hein, que c'est le sort agonie qui me ramène. Voilà, c'est ça. Les dégâts générés par agonie génèrent parfois un éclat d'âme. J'ai ça. Et il y a également, quand j'ai l'occasion, affliction instable. Si j'arrive à tuer un ennemi avec affliction instable, il me rend un éclat d'âme. Enfin voilà, c'est du. Honnêtement, je suis jamais en pénurie d'éclat d'âme. C'est rare que il y a vraiment lors de très très gros combats contre des world boss par exemple où oui c'est vrai que j'arrive à épuiser mon stock d'éclat d'âme parce qu'il faut savoir que quand j'en balance vous l'avez certainement vu hein, bah en fait je récupère assez vite en lançant agonie quoi du coup voilà. Il y avait ça, et... Ah oui, et puis, donc, vous savez, il y a le fameux bug avec Théotard, qui vous suit partout, là, quand vous le prenez à Bastion. J'ai trouvé la solution sans faire appel à AMJ. Il faut se déconnecter, aller sur le site de Firestorm, faire déblocage de personnages. Vous vous retrouvez, donc, à votre auberge, donc là où vous avez mis votre pierre de foyer. Il est toujours là, mais vous n'êtes plus sujet au sort, au soutien de Théotard. Hein, c'est à cause du sort hein, que vous avez problème. Donc après, vous prenez le TP vers Orgrimmar et il disparaît définitivement. Jusqu'à ce que éventuellement vous retourniez au bastion et que vous le repreniez, quoi. Mais en soi, voilà. Donc il est possible de s'en débarrasser sans faire appel à MJ. Voilà. On continue notre Vous avez mon attention. Aventure. Du coup, pour l'Arconte. Ok, donc voler jusqu'à la nécropole Xerenkis. Pour l'Arconte et le Bastion. Ça valait pas vraiment le coup de venir jusque-là, du coup. J'ai mon lot de poison. Quoi? Mais non, c'est là. Méfiez-vous de tout le monde. Bienvenue. Ah, d'accord. Allez toujours de l'avant. Les soldats de Maugren sont de fiers combattants. Nos troupes ont besoin d'aide. Bien les... Répondez à l'appel des Nécro-Seigneurs. Nous allons frapper le flanc de l'Est et eux celui de l'Ouest. Puis nous prendrons Garma. Bien, tout le monde est là. Marchons avant que l'ennemi puisse organiser ses défenses. Bonjour, Draka. Loctar, la force nous vient du cœur. Jusqu'à la maison des assemblages, ok. Nous avons nos ordres. Kyrian du Bastion, combattez avec bravoure. Vous les cieux, transcendez! Pour le bastion! Nos troupes ont besoin d'aide. Répondez à l'appel des Nécro-Seigneurs. Nous allons rendre justice pour nos frères tombés et mettre fin aux horreurs qui se trament ici. C'est cool. Franchement, c'est cool. Curiosité. Elles ne sont pas encore actives. Loué soit l'Arconte. Utiliser 5 noyaux de Maldrassite. Et ben c'est parti. Ah, et notre quête là. Y a-t-il besoin de malade? Tu
tué 10 combattants de la maison des assemblages dans la chambre d'isolation. Tenez votre rang, nous serons à vos côtés. Et on aura un emblème de renom pour ça. Pourquoi cet appel ? Je prends mes précautions, hein. Ok, on va d'abord se concentrer sur les... Oula. On va d'abord se concentrer sur les... Les noyaux. Ah. Tiendront. Attendez. Ça raconte quoi, ça? Document déchiré semble avoir été rédigé par feu le docteur Suture. Docteur Suture. La chair des Kyrians double la force obéissante et la dextérité. Quel potentiel si seulement la greffe d'aile du cobaye numéro 135 pouvait enfin prendre. Les réflexions suivantes sont du même acabit. Vous devriez apporter ceci à Atomed. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils ont un sort à la con. Ok. Du coup... Voilà. Ça me fait gagner du temps. Pas où le dernier noyau par contre.
C'est ma sœur qui vous envoie. Vous avez mon attention. Ma lame est prête à surgir. Que votre courage jamais ne vacille. Donc récupérer 6 plans du docteur Suture. Pour l'Arconte. Ceinturon, d'accord, ok, bon, j'ai mieux. Hein. Un emblème. Donc je dois tuer. Je dois tuer ce truc-là. Ouf, on me donne un sort pour ça. Ma lame est prête à surgir. Et 6 bouchées inertes. Luttez avec bravoure et portez votre foi. Que votre courage jamais ne vacille. Je suis parti du mauvais sens. Non, ça m'aidera pas ça. Du coup, donc ça sert à... Ok. Du coup, faut que j'en bute combien ? Faut que j'en bute 6. Ok. Attaque toi. Oh, ça sent mauvais. C'est chaud, hein. C'était vraiment chaud. Okay.
destin est scellé. Il me reste un à détruire. Là, il est un peu isolé. Ouais. Parfait. Allez, on va rendre tout ça. Le flanc ouest est aux abois. Maugrain a besoin de renforts. Bon. Y a-t-il besoin de ma lame? Tenez votre rang. Bienvenue à vous. Qui vous envoie. Je vous écoute. Ok, donc on va aller à la rapide. Faites expier nos ennemis. J'ai déjà le monture. Hop. Alors juste avant. Faites vite. Que le courage guide votre lame. Battez-vous avec ardeur, mes frères et sœurs. Le margrave va payer. Regardez comme il se démène. Bientôt, la maison des élus et ses valets Kyrian iront rejoindre nos stocks de chair. Ces mastodontes s'en prennent aux troupes de Maugrain. Elles sont coincées. Au dernier, nous ne courberons pas les chines. Quel est mon objectif? Écraser nos ennemis. Qu'il n'en reste que des cendres. Changez votre lame runique en tuant les assemblages ennemis dans la rapisserie. Ouais, je lis plus vraiment les quêtes, hein. Je vous avouerai, on se fait un petit peu le truc. Détruisez les projecteurs astro, sud-ouest, nord-ouest, ok. Je l'ai revaincu il n'y a pas longtemps. Débarrasser les cieux de ces rocs. Okay. Vous pouvez disposer. Je l'ai réaffronté il n'y a pas longtemps, la baronne Vazji, donc au réservoir de. Zut. Là, le. Réservoir de Glissrock, c'est ça. Cherchez le nom.
Oula, là, le son est un peu violent. Attendez, rien de. Comment je fais? Ah. Compris. D'accord, ça me permet de changer d'une créature à l'autre. Mon objectif, c'est Ok, d'accord. Je n'ai pas de cible. Oh, c'est un peu compliqué, hein. Je dois buter ce truc là? Ouais, bah écoutez, on va essayer, hein. Bon, on a compris pour les crocs machins là. Attendez, on va peut-être se concentrer sur les projecteurs plutôt. Mastodontes Kyrian vont écraser tous ceux qui osent se dresser contre la maison des assemblages.
Le bastion n'était que le commencement. Notre chair engloutira tout. Bon, ça, ok. Du coup, après, c'est faire un massacre, quoi. Et puis, puis il nous restera. Il nous restera les piafs à buter, là. C'est pas des piafs, mais vous m'avez compris. Ça sert à rien, ils ont eux ça s'alloutera pas de. Allez, normalement c'est le dernier.
Je vais devoir faire une toute petite pause, j'ai un choc qui demande à sortir. Vous devez l'entendre miauler. A tout de suite. Bien, allez, hop. Le chat étant sorti. Ah bah on continue. Ouais. Retour. Ok, du coup. Et là, donc, il faut que j'utilise un vite. Ok. Quand je suis en panique. Enfin, quand il est en panique. Quand il est en panique, en fait, il faut que j'utilise le. Ouais, voilà, ok, c'est bon. J'ai compris le truc, c'est que dès qu'il est en panique, faut vraiment que j'utilise le crochet. Ok, bon, j'en ai. Reste, je vais devoir en buter un de plus. Bah non, je peux faire ça. Un. On revient par là. Parfait, ça. C'est à une princesse que vous vous adressez. Ah bon? Ouais, on n'a pas la même vision des princesses. À la limite, même Vajni a plus de charme, quoi. Au nom d'Akarek. Je me souviens plus de la race dont elle fait partie. Ce sont les. Zut, les hommes serpents, les. Oh, Allié d'Illidan. Les. Oh! Zut! C'est quelle race ça? Bordel, on les a affrontés tellement de fois! Ça me revient plus. Le nom de leur race, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je suis impardonnable. Aux ordres. Descendre au sol. Détruisez les mastodontes. J'attends notre prochain combat. Vas-y, je suis prêt. La volonté de Crexus sera faite. Montrons à ces monstres la vraie force de la maison des élus. Déchaînez le pouvoir de la lame et détruisez ces mastodontes et de bonne foi pour tous. Les nagas. C'est ça. Oula. Ah oui. À moi, Kyrian. L'heure de l'ultime assaut. Ah, la violence. A sonné. C'est ça, c'est les nagas, les hommes serpents. La corruption gagne ce royaume. À nous de cauteriser cette plaie.
Rejoignez Xandria près de la chambre de la maison des assemblages. En avant pour Aldraxxus et pour le bastion pour l'ombre terre. Il me suit ? Ah oui, il me suit, d'accord, ok. La véritable bataille va commencer. Êtes-vous prête, Xandria ? Oh, je le suis depuis qu'ils ont pillé mon temple. Parlez sans crainte. Ok, triompher de la margrave Garmal. Et on a encore un emblème de renom. Pour l'Arconte et le Bastion. C'est cool qu'on augmente comme ça, parce que moi, quand j'ai vu 80... qu'on pouvait avoir jusqu'à 80 emblèmes de renom, j'ai fait... Ouais, on va en bouffer. Et finalement, ça va vite. Bien, finissons-en. C'est tout ce que vous avez pu rassembler ? Moi qui espérais faire un bon repas. Vous pouvez fanfaronner. Il est temps de payer pour vos crimes. Vous confondez bravoure et bêtise. Vous êtes sur notre terrain, ici. Cessez cette folie! Le Primat n'aurait jamais accepté une chose pareille! Nous aurions dû attaquer le Bastion il y a des siècles! C'est lui qui nous a retenus! Cette trahison vous condamne! Justice sera faite! Une baronnie à qui me rapportera le cadavre du parangon! Oh putain, puis il a régène entièrement ses PV. Quoi ? Il est bugué ? Je sais pas pourquoi il était... Non, il est buggé. Mais... Faut qu'il soit dans la flotte. Mais non, il est buggé. Mais il se réinitialise tout le temps.
Alors là, je pige pas. Il est bugué, hop. Et elle là, elle, je peux pas l'attaquer. Bon, bah écoutez, on va laisser faire. Hein. Je trouve ça idiot. Tu sais, parce que ce mob là il est bugué à chaque fois que je t'attaque. Voilà, il se réinitialise. Là il va se mettre à un endroit, il bougera plus. Et j'ai l'impression que c'est quand il a tué mon marcheur.